Cette femme a tué plus de 600 hommes en l'espace de 20 ans. Giulia Tofana était une femme italienne du XVIIe siècle qui est célèbre pour avoir créé un poison mortel appelé Aqua Tofana. Selon les légendes, elle aurait vendu ce poison à des centaines de femmes qui voulaient se débarrasser de leur mari abusif. L'Aqua Tofana était indolore, insipide et presque indétectable. Composé d'un mélange d'arsenic, de plomb et de belladone, ce poison était si puissant qu'il pouvait causer la mort d'un homme en quelques jours avec seulement 4 à 5 gouttes. Tofana et son équipe ont opéré principalement à Rome et à Naples pendant près de 20 ans entre 1633 et 1651. On estime qu'elle a été responsable de la mort de 600 hommes. Parmi ses clientes se trouvait la comtesse de Ceri qui, suite à une erreur de dosage, a éveillé les soupçons après la survie de son mari. Interrogée, elle finit par dénoncer Giulia aux autorités pontificales. Giulia se justifie en déclarant que sa concoction est venue en aide à des femmes malheureuses et opprimées. Malgré un refuge temporaire dans une église, une rumeur d'empoisonnement dans l'eau bénite a permis son arrestation. Son procès retentissant en 1659 a entraîné plusieurs condamnations à mort, la sienne dans un premier temps, mais aussi celle de 41 femmes sur ordre de l'Inquisition.